Salut, salut les pros, bienvenue encore aujourd'hui. Nous allons voir comment cloner ce design de YouTube que vous voyez aussi beau en utilisant rien que du HTML et du CSS. C'est du pur, c'est du réel, c'est du réel. Nous n'allons pas sauter une étape, on va aller pas à pas et de A à Z. Donc, si vous voulez vraiment booster votre niveau de CSS, suivez cette vidéo jusqu'à la fin parce que vous allez apprendre tellement de choses. Et justement, voici ce que nous allons le créer aujourd'hui. Et nous allons utiliser ces icônes à partir de Material Design Icon. Et on va également utiliser le fond Roboto. Et nous allons également utiliser ce fond de Google Fond. Donc, soyez cool et soyez tranquille. Tout est là, c'est assez impeccable. Donc, soyez là jusqu'à la fin. Donc, si vous êtes nouveau à ma chaîne, n'hésitez pas de liker et de partager la vidéo. Surtout, je vous recommande encore, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous. Et merci beaucoup à tous ceux qui se sont déjà abonnés. Partagez cette vidéo, rendez-la virale parce qu'on a vraiment besoin des subscribers. L'expérience a montré que pour mieux apprendre l'informatique ou le développement, il faut seulement pratiquer, travailler sur des projets. Et si vous êtes à court d'idées concernant les projets, clonez des projets comme YouTube, si que nous allons faire aujourd'hui, clonez Facebook et React. Et surtout, allez même dans la section des commentaires et dites-moi quelle plateforme vous voudrez que je clone prochainement. Voilà. Et vous pouvez bien voir que notre design est presque à 95% exact. C'est déjà parfait. Si vous pouvez travailler sur 2, 3, 4 projets comme ça, je vous assure, votre niveau de HTML CSS va complètement changer de phase. Donc, allez, on veut aller ici dans mon Photoshop. J'ai essayé de créer le layout, donc de structurer les blocs essentiels de notre design que nous allons voir. Donc vous voyez bien la partie avec les bordures jaunes, le menu d'en-tête. On aura ce menu de gauche et on aura le contenu qui est ici en violet. Dans ce contenu, on aura une section du haut qui concerne les catégories et la section qui concerne les vidéos. Donc nous allons essayer de travailler avec cette genre de mentalité et surtout c'est comme ça qu'on essaye de visualiser lorsqu'on veut travailler sur le design d'une page web. On essaie de visualiser tout en bloc comme je vous avais dit précédemment sur ma première vidéo que tout élément HTML est un rectangle. Donc n'hésitons pas et lançons. Donc vous êtes là, votre projet est déjà créé, YouTube clone. Et avec nos images que nous allons utiliser ici, vous voyez, ce sont des SVG. Donc, je les ai téléchargés et je vais les uploader dans mon GitHub qui est dans le lien dans la description. Voilà, on crée notre premier fichier index.html et on génère notre contenu document HTML par défaut et on appelle ça YouTube clone. Voilà, ici on va mettre juste un H1 et on va dire salut les pros encore et on va utiliser Fire. Désolé, il fallait mettre une espace ici. Voilà, super. Il faut qu'on crée notre fichier CSS. Je vais créer déjà un dossier qui s'appelle CSS et là à l'intérieur, je vais créer un fichier qui s'appelle style.css. Ici à l'intérieur, je vais essayer de cibler mon H1 et lui donner un font size. Ouais, et lui donner un font size de disons 4 REM et la couleur, pourquoi pas, juste pour tester que tout s'est bien passé. Là, je lui donne une couleur de 3-3-3 ou 4-4-4. Voilà, c'est un noir cassé. Et si on va ici dans notre HTML, on go live. On clique ici, ça c'est pour démarrer notre serveur automatique ou notre serveur qui recharge à chaque fois qu'il y a des modulations sur notre page.
Voilà, super. Sauf que notre CSS n'est pas encore lié à la page. Et pour le faire, nous allons juste d'abord cacher le menu et venir ici faire un link et dire allons dans style, dans le CSS, et on prend ce fichier style. Super. Voilà, on a initialisé notre projet. Allons-y maintenant. Voilà, nous allons commencer notre design et pour un début, nous allons d'abord finir par designer ce menu d'en-tête. Donc ici, nous pouvons bien voir que notre menu d'en-tête a le logo, la barre de recherche et les icônes avec le profil de la chaîne. Donc, allez, on y va. On revient là et on supprime d'abord ceci. On commence avec un certain main qui a une certaine classe main. Donc ça c'est le contenu, le conteneur ici dedans que nous allons mettre toute notre application. Ici on supprime également ceci et ici à l'intérieur on va créer une balise header. Cette balise header aura une certaine classe header too, header aussi. Et pour un début, on aura notre balise A qui à son tour a une balise image avec une classe logo. Si on essaye de dire ok, lorsqu'on clique sur ça, on ne part nulle part, on ne ramène l'utilisateur nulle part, il reste sur la même page. Et si on regarde bien, voilà, à la suite nous mettons notre formulaire. Et dans le formulaire, nous mettons notre premier input de type search. C'est pour la recherche. Et le nom, on peut mettre aussi search, l'ID, pareil. Et ce qui suit, c'est notre placeholder. Oui, il faut une placeholder pour mettre le texte à défaut qui est search. Ici, à l'intérieur, on peut mettre peut-être area label. Et on dit search pour que ça, ça c'est plus pour la lisibilité et les bonnes pratiques. Voilà, la suite c'est un bouton. Et dans notre bouton, on va mettre c'est un bouton de type submit. Et ici, le contenu c'est juste le contenu c'est une image, oui, une image également. Et cette fois-ci, l'image correspond à notre image de recherche. Donc, ça, c'était bon pour le formulaire. Et enfin, avant, on met notre div pour les icônes du haut, du menu haut. Voilà. Ici, à l'intérieur, nous pouvons mettre notre balise A avec... une image ou juste notre balise A qu'on appelle icône, je crois ça devrait aller. Et ici on va remplacer par les icônes, par nos différentes icônes. Par exemple, pour chaque icône il va nous falloir venir ici dans Material Design sur le site Google .github.io dans les projets Material Design et on va essayer de intégrer le projet dans notre et on va essayer de charger ces icônes dans notre projet en local pour que les choses soient plus flexibles et faciles pour nous à manipuler. Donc ici à l'entête, je copie le lien et je colle le lien là tout simplement. Vous pouvez bien voir et il faut juste revenir et commencer à utiliser. Donc si on veut l'utiliser, c'est juste quelque chose de simple comme ici. Donc cette fois-ci on voudrait utiliser ça ici. Tout ce qu'il faut mettre ici, c'est le nom de l'icône en question. Et si vous rentrez ici, vous cherchez vidéo cam, je crois que ça devrait nous montrer l'icône en question. Oui, il s'agit de cette icône et c'est ce nom vidéo cam qu'il faut mettre ici à l'intérieur.
Voilà. Et si on rentre dans notre page, je crois qu'on devrait déjà... Voilà, vous voyez l'icône, l'icône est bien là. D'accord. À la suite, il faut juste répéter ceci deux ou trois fois. Et notre prochaine, c'est apps. Et le dernier icône, c'est notification. Voilà. Ça devrait nous donner quelque chose. Je crois que notification, c'est avec S peut-être. Voilà. Nos trois icônes sont là. Vous pouvez voir que notre menu du haut n'est pas encore joli. Mais juste parce que il nous faut du CSS pour améliorer les choses. Mais basiquement, on a fini avec la structure de notre menu. Donc, on va aller ici au niveau du CSS. Et on va commencer d'abord par ceci. Before. Et non, là on sélectionne complètement tout et on se rassure que on met le design à zéro à une phase initiale et on dit border. Ayez cette habitude, ça c'est les bonnes pratiques. Box sizing, voilà. Box sizing, border box, et je crois que c'est tout. Là, on peut attaquer notre premier module qui est le menu du haut. Cette fois-ci, il nous faut utiliser cette balise ou cette classe qui s'appelle header. Je crois bien. Ici, voilà, on a une classe qui s'appelle header. Cette classe header, on va lui donner un display flex. Et si on regarde bien, on a quelque chose de ce genre. Donc notre image ne s'affiche plus. Il faut déjà voir ce qu'il faut faire pour essayer d'améliorer l'image. Donc on va sélectionner l'image avec la classe logo et on va lui donner une sorte de height de 20 pixels. Et si on regarde, vous pouvez bien voir que ça donne déjà quelque chose. Voilà, on va rentrer ici dans notre flex et on va essayer de étendre un peu les choses en disant justify content space between et on lui donne un align item center pour essayer de centrer les choses verticalement. Voilà, super, vous pouvez bien voir que ça donne déjà quelque chose. Là, il nous faut cibler notre formulaire maintenant et essayer de lui donner également un display grid. Voilà, on va utiliser le grid cette fois-ci et on va dire grid template repeat auto. On veut que ça met ça dans les quatre colonnes et ça met ça auto. Voilà. Ce qu'il faut faire par la suite, c'est de là. Voilà. On peut voir que le contenu est déjà aligné horizontalement. Il faut cette fois-ci essayer de styliser un peu mieux la barre de recherche. Notre formulaire en question. Donc pour cela, on va mettre form et on va dire display. On va lui donner un display flex et on va dire flex grow de 1 pour que ça occupe tout l'espace. Et là, on lui donne pour que ça occupe toute sa largeur et on lui donne un margin haut du 0, 4 ern 0 et 8 ern. Là, on doit avoir quelque chose déjà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de donner notre main session. La session principale, on va essayer déjà de lui donner une certaine largeur de 95% pour laisser un peu d'espace aux extrémités. Comme vous regardez ici, vous voyez, il y a un peu d'espace ici aux extrémités. On va lui donner quelque chose de... voire même 97%.
de la longueur totale et on lui donne un margin haut et bas de RPM et aux abords de auto pour que ça essaie de diviser l'espace disponible en deux. Voilà, si on rentre là, oui, on est ici, vous voyez qu'un vide vient de se créer ici. Là, ce qu'il faut faire cette fois-ci, c'est d'essayer de styliser mieux notre icône ici. Donc, notre formulaire. Cette fois-ci, je veux prendre notre input de type search. Et là, je vais lui donner une longueur de 100%. Et je lui donne une hauteur de 2 RM. Et là, si on regarde encore, on devrait avoir quelque chose déjà d'intéressant. Voilà, si on regarde bien, on voit que c'est input pas input. Donc j'ai mal écrit ici, c'est input. Et si on revient là, on peut mettre un padding tout petit de 3 RM. Et on laisse également un font size. Un font size de combien? Voilà, vous voyez bien que ça occupe déjà toute la longueur. Ça, c'est le gros flow grow qu'on a mis à 1. Flex grow qu'on a mis à 1. Donc, il nous faut tout simplement donner un font size de 1 RM et un margin pas forcément. Donc ce qu'il faut par la suite, c'est de pouvoir voilà, par la suite on va essayer de regarder comment styliser notre bouton. Donc ici je peux appeler ça, je peux lui donner une classe de search button btn pour bouton. Et là, à partir de ce bouton, je peux bien utiliser mon truc en disant height de 2 RM aussi pour avoir la même hauteur avec notre input. Et on lui donne également un padding de 0,3 RM. On peut regarder déjà à quoi ça ressemble. Voilà, on voit que notre icône est trop grande et déjà on peut modifier cette icône pour utiliser plutôt une icône material design, parce que ici c'est presque la même chose. Là je vais plutôt mettre search et ça devrait, le design devrait adhérer, vous voyez bien, parce que à ce moment ça s'est traité comme du texte. Et là, tout ce qu'il nous faut faire, c'est de casser un peu les bords ici et éliminer ce bord ici. Donc on va commencer par donner notre input les bordures, border solide 1 pixel. Et là on peut mettre ccc. Et pour cela on fait la même chose ici. Mais sauf que ici il faut augmenter le, il faut essayer de supprimer les bordures. En fait, il faut essayer de supprimer le fait que les bordures sont arrondies légèrement ici, ou il faut déjà donner les border ratio pour donner quelque chose de 0,5 RM, mais pas de tous les côtés, parce que si on regarde, on va voir que c'est de tous les côtés, même là où les deux sont en train de se joindre. Or, on ne voudrait pas que les bordures droites de notre input se soient arrondies et les bordures gauches de notre formule soient également arrondies. Donc pour cela, on va juste venir ici, on va mettre border top right, ça, border top.
border top right ratio 0, border bottom right, c'est la même chose, mais sauf que en bas cette fois-ci on est plutôt du côté left, on n'est pas du côté right. Voilà, et on devrait avoir quelque chose de super. Vous voyez ici, on n'a plus aucun problème. On peut même supprimer un bordure ici, par exemple le bordure du formulaire, juste en disant border right none. Là on vient de supprimer un bordure et là tout est bon. Si je clique, ça rend le truc si épais. On peut même changer également, mais pour l'instant on va pas le faire. On est juste en train d'aller si vite pour avoir quelque chose avant de regarder le reste. Là je crois que ce qui reste, c'est de styliser ces icônes. Voilà comment styliser nos boutons ci. Voilà, il nous faut styliser nos icônes ci. Vous voyez bien que nos trois icônes sont là. On va d'abord commencer par les donner un display flex. C'est déjà le cas. Donc on va essayer d'utiliser ceci pour les mettre en gris. Dans les menus, on va dire display grid. Voilà. Et sauf qu'on va dire ici grid template column. On va mettre repeat et on va mettre 4 auto. On va essayer de diviser l'espace en 4 espaces égaux et on va donner un espace l'espacement de gaps de 1 ERM. Et là on devrait avoir quelque chose d'intéressant. Super 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 super. Ce qui nous manque cette fois-ci, c'est juste le logo de la chaîne. Et pour ça, nous allons créer un dernier élément HTML qu'on a juste oublié là. Et cette fois-ci, c'est plutôt une image qu'on va mettre ici, image, et la source de cette image, encore une ressource extérieure et très très précieuse, et que vous devrez remercier en cliquant déjà sur le like button ou en partageant cette chaîne. Donc ça s'appelle http unsplash, http double slash unsplash.it. et là on va mettre les dimensions de l'image. C'est un API qui nous donne des images aléatoires à chaque rechargement. Donc je vais mettre 36 36, et je mets gravity est égal à centre pour que le point focal de l'image soit au niveau du centre. Voyez, centre. Voilà, là je peux appeler ça icône de la chaîne. Oui, notre icône est là, et la seule chose qu'il faut faire, c'est d'essayer de styliser cette icône en lui donnant plutôt cette classe. Ok, ouais, donc je vais utiliser cette classe que je vais appeler icône de chaîne. Voilà, à ce niveau je vais utiliser déjà un border ratio de 50%. Et quoi d'autre? Notre truc est déjà presque là. La seule chose qu'il nous faut encore ici, c'est de pouvoir align this item center pour que ce soit bien verticalement centré. Voilà, tout est presque impeccable. Je crois que c'est bon. C'est bon. Et si on rentre ici, qu'est-ce qui manque? Je crois que c'est parfait. Voilà, cette icône manque. Il faut qu'on essaie d'ajouter ça. Quand je regarde, il faut chercher cette icône. Je crois que c'est menu. Voilà, si on rentre ici, c'est l'icône menu. Et tout ce qu'il nous faut faire, c'est de rentrer dans notre HTML et
ici, avant notre logo, on essaie de mettre un span. Parce que voici comment on la balise qui nous permet d'avoir un material design icon. Donc, c'est ce que nous avons envie de faire ici. Material icons. Et là, tout ce qu'il faut mettre, c'est menu. Si on regarde, je crois qu'on aura quelque chose. Ouh, c'est là. Donc, ce qu'il nous faut faire cette fois-ci, c'est de mettre, d'utiliser peut-être ce logo pour lui donner un peu d'espace à partir de la gauche. Donc, notre logo est bien là. On peut lui donner un margin left de peut-être 0,5 ER. Je sais pas comment ça va être. Je crois que ce design est pratiquement impeccable. Donc il faut augmenter légèrement la police ici et pour que ce soit super intéressant. Donc pour cela, on va juste chercher à mettre quelque chose pour dire icône menu. Et à travers cette classe, on va pouvoir jouer avec le style de cette icône. Voilà, je vais lui donner un form size de large ou peut-être même NERM, je ne sais pas. Voyons voir. Voilà. Dans tous les cas, je crois que c'est presque intéressant. Si on essaie de mettre deux là, qu'est-ce que ça va donner? Voilà. Vous voyez que notre image est en train de changer au fur et à mesure. Super, on vient de finir avec notre menu du haut. Regardez vous-même, ce n'est pas presque la même chose qu'ici. Donc, allez dans cette session et donnez un like si vous ne l'avez pas encore fait. Ou souscrivez à cette chaîne. Voilà. La suite, c'est le menu de gauche. La suite, nous, on va essayer de créer ce menu de gauche. Voilà. Ici, il nous faut travailler sur cette session du menu de gauche. Voilà. C'est aussi assez intéressant et vous allez apprendre pas mal de choses. Donc, pour commencer, il va nous falloir revenir ici pour voir que tout ceci, c'est deux sections. La partie avec les bordures violets et la partie avec le fond vert. C'est deux sous-menu dans le cadre ci fait. Il va falloir d'abord donner ce gros cadre quelque chose qu'on va pour appeler. Il faut déjà cacher cette partie collapse comme on dit en anglais. Donc ici on va utiliser quelque chose comme section. Pas forcément section, on va utiliser plutôt div, mais le div aura comme menu nos sections principales. Voilà. Et dans cette section principale, on aura quelque chose comme le menu de gauche. Et le menu de droite. Voilà. Donc là, on peut mettre déjà quelque chose dedans. Et ici, on met aussi menu de droite. Super. Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà. On peut bien voir que ce n'est pas assez agréable. Il nous faut un peu du CSS pour pouvoir mettre de l'ordre et commencer notre style. Voilà, ici je vais déjà commencer par dire section. Style de la section principale. Et notre classe dit quoi? Voilà. On va essayer de lui donner déjà un display flex. Et pour que ça essaie de prendre les deux parties côte à côte,
Et si on prend cette fois-ci menu gauche, on lui donne un flex de 1. De 1. Et cette fois-ci, on lui donne quand même un mars 8 de 18% de la partie visible. Je crois que on aura déjà quelque chose. Bon, donnons déjà un background à ces deux éléments pour mieux voir. Background peut-être allez, violet. Et notre menu droite. Là, on a quoi? On a menu droite. Et si je donne aussi flex 1. Mais sans limiter la largeur. On aura quoi? On aura un background également de mettons quelque chose comme ça. Super, je crois que ça se voit très bien que le menu va s'arrêter ici et la suite serait le contenu de notre page, en fait cette partie, et le menu va juste s'arrêter là. Super. Peut-être on peut encore pousser notre formulaire parce que quand je regarde ici, je vois que le formulaire est plus loin. Donc on peut légèrement pousser ça avec notre CSS à ce niveau. Je peux mettre même à 10 et je suis sûr que ça va aller plus que ça. Voilà. Peu importe, c'est pas grave, c'est déjà intéressant, très très intéressant même. Et ce qu'il faut apprendre, ce qu'il faut savoir ici, c'est que nous allons travailler sur cette partie. On s'en fout du reste. Donc, allez, on rentre dans notre menu de gauche. Et si vous regardez bien et que vous connaissez comment le design se passe, ça, c'est juste des listes. Donc, nous, on va créer des listes, mais avec des séparations en trois catégories, comme vous voyez. On va commencer par la première section, UL, qui a des listes à l'intérieur. Et à l'intérieur de chaque liste, on a un A. Et on a un A. Et une icône qui est un span avec material icon. Voilà, super. Qu'est-ce qu'on a? Je crois que j'ai mal fait quelque chose. Non, je crois que tout est bon, mais sauf que ici, oui. Justement, ici, je n'ai pas bien fait comme il le faut. Là, comme tout ceci est cliquable, c'est ici, à l'intérieur, qu'on a notre icône. Oui, l'icône et le texte. Le texte, c'est dans un autre span qui s'appelle list texte. On va mettre les choses comme ça. Et on va mettre pour notre premier home et ici home pour le nom de l'icône. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on a quelque chose intéressant? On a notre icône. Voilà, ça ne se voit pas bien parce que le background de notre truc est presque la même couleur que la couleur de par défaut de l'icône que je suis en train de voir, mais on va changer ça pour l'instant. On va d'abord changer la couleur de fond de ce monsieur pour mettre autre chose. Voilà, bleu. Et bon, ça n'a pas vraiment changé. Et pourquoi pas enlever même une fois, parce que je crois que on a déjà pu voir quand même la différence. On voit déjà la différence. Donc, si je reviens là au niveau du HTML, je crois qu'il me faut répéter ceci trois fois. Pour les trois éléments, pour les trois éléments, donc il s'agit de quoi et quoi? Il s'agit de trending et subscriptions. Voilà, l'icône qui correspond ici, c'est trending. Oh. Le texte, c'est trending. Ici c'est oui, l'icône c'est subscriptions et le texte même c'est subscriptions. Voilà, je crois que on a nos icônes. Super.
ça donne déjà. Voilà, ce qu'il faut faire, c'est d'essayer de styliser déjà cette première partie, parce que à la suite, on va juste copier et coller. Donc, si on regarde bien, on a déjà quelque chose, et pour ça, on va commencer par ici, par sélectionner le menu de gauche. Menu de gauche, l'UL qui est à l'intérieur du menu de gauche. On lui donne list style. On change pour que ce soit non. Pour enlever les points qui apparaissent devant les listes. Voilà, comme vous voyez, il n'y a plus de points. Là, il faut changer également tous les listes qui ont les A. On va changer la décoration du texte. On va mettre non. Et on va lui donner une couleur presque noire. Presque noire. Disons 4-4. Et là, on a déjà presque quelque chose. Ce qu'il faut faire par la suite, c'est de donner de l'espace entre les deux éléments. Je crois. Ouais. Il faut donner l'espace entre les deux éléments. L'icône et le texte. Donc, si on prend le texte seul, je crois que c'est suffisant pour donner ce qu'on veut. On lui donne un certain margin left de, disons, 1,2 E1. Et là, je crois que l'espace est presque suffisant. Ce qu'il faut continuer, c'est ce qu'il faut continuer ici, c'est de pouvoir bien styliser, fait que lorsque le curseur passe dessus, le fond change, et également activer le tout premier champ qui est home. Donc on dit home class home, et lorsque l'on passe active, et je peux les appeler peut-être des classes item pour éléments. Voilà, on appelle ça la même chose ici, item ou liste. Pourquoi pas liste? Là, ce qu'il faut faire, c'est de sélectionner ceci. Et on dit ici, à chaque liste qui est survolée ou active, on lui donne un certain background. De CCC, et là vous pouvez bien voir que il y a déjà une différence. Voilà, voilà, vous pouvez remarquer que ici les listes partent jusqu'au bout, tout est bien bloqué jusqu'au bout là, mais par contre sur notre design ce n'est pas possible. Je vais essayer de modifier ce qu'on a déjà fait pour essayer de voir si ça peut marcher. On vient ici sur les menus de gauche, au niveau des listes, on enlève un certain padding qui vient par défaut sur les listes, on met ça à 0, et jusque là il y a toujours quelque chose de vide, et ce vide, voilà, ce vide ci vient du fait qu'on a créé le main session et qu'on l'a donné à 97%, que ça occupe seulement 97% de la longueur visible. Je vais donc annuler l'autre là d'abord. Vous voyez que tout est bien buté là. Il faut maintenant utiliser les paddings pour pouvoir créer de l'espace aux extrémités. Donc si nous venons dans notre head, on met seulement padding. On peut lui donner un padding haut et bas de 0 avec le padding gauche et droite de 1,2
REM. Là, je crois que presque 1,5 est impeccable. Donc, si on met là 1,5, je crois qu'on aurait atteint ce qu'on voudrait. Voilà. Maintenant, on va donc le faire également dans toutes les listes ici. Dans nos listes. Comme je disais tantôt, dans nos listes ici, on va juste essayer de lui donner un padding. Padding haut et bas de 0, peut-être même de 0,8 ERM et gauche-droite de 1,5 ERM. Voilà. Et super. Vous voyez bien que ça donne. Il nous faut juste peut-être utiliser, mettre un peu de margin au niveau de notre menu gauche-ci. Donc ça veut dire créer un peu de l'espace vide ici au-dessus en cherchant le margin gauche. On lui donne un, je veux dire menu gauche, on lui donne un margin top de peut-être 1,2 REM. Et là, je suis sûr que c'est presque impeccable. Vous voyez. Voilà. On va donc répéter la même chose ici. Je vais juste répéter la même chose pour histoire d'être plus rapide sans que et revenir juste après avoir augmenté. Donc, mais le processus reste pratiquement la même chose. Tout ce qu'il faut faire, c'est de répéter ceci. Après notre liste ici, il nous faut juste mettre ça. Et vous pouvez bien voir. Donc, et surtout qu'il faut supprimer également ceci. Donc, et voilà, nous avons ceci. Donc, on a presque rien modifié. On a juste ajouté d'autres nouvelles listes et tout ça. Et ça nous donne ce que nous voyons. La seule chose qu'il faut légèrement toucher, c'est ce H2 dans le UL qu'il faut un peu pousser. Parce que pour l'instant, ça touche trop, ça sort trop du cadre. Donc, il faudrait que ce soit poussé aussi pour commencer à partir de là. Donc, on va mettre notre UL avec un HD à l'intérieur et on lui donne un padding de 1,5 ERM et je crois que ça devrait donner. Voilà. Maintenant, il faut lui donner un padding plutôt top et bottom de presque 0,5 seulement. Parce que là, ça crée trop du vide. Voilà, du haut et du bas. Je crois que c'est presque super. Et la seule chose qu'il faut faire cette fois-ci, c'est de changer la police et la couleur. Donc la couleur est trop noire. Je crois que un truc comme peut-être peut-être. Je peux même plutôt choisir une couleur. Je mets FE. Qu'est-ce que ça nous donne? Voilà. Avec ceci, on peut calibrer une couleur et on utilise. Donc, je crois que on a presque le design et c'est super. La seule chose qu'il faut changer, c'est la police en utilisant cette police Roboto. Donc, vous venez juste sur les Google Fonts et vous choisissez la police. Donc, moi, je vais utiliser cette police qui a été déjà sélectionnée. Je copie juste ceci. Et là, je viens importer ça directement au début de mon CSS. Comme vous le savez, si vous ne le savez pas, c'est comme ça que ça se fait. Et la seule chose qui reste à faire, c'est de peut-être ici, on dit pour tout notre... Tout ce qui est dans le main, on lui donne un fond family de Roboto. Quoi d'autre? Là, j'ai plutôt choisi beaucoup de choses. Je vais resupprimer.
jusqu'à mettre seulement vos boutons. Voilà. Je crois que la police a aussi changé. Impeccable. Résultat presque impeccable. Vous voyez? Vous voyez. Il faut créer un peu de vide ici, au-dessus de notre naf. Donc, parce que je crois que c'est trop collé là. Allez, pour ce faire, on va chercher le header et on va lui donner un padding top. Ouais. Le padding top même de 1. M-E-R-M aussi. Et on a notre menu de gauche qui est presque impeccable. La couleur du fond, si elle est trop noire, on peut également légèrement toucher ça pour lui donner une couleur de presque la même chose que ce que j'ai vu là-bas en haut. Ouais, c'est ça. Et on lui donne peut-être une font size parce que j'ai l'impression que la taille de la police est trop grande. Si je donne même peut-être M-E-R-M Mars, ça devrait donner quelque chose comme ça avec un text transform de opaque pour que ça devienne en majuscule. Et la couleur est toujours trop noire, je crois bien. Faut mettre un truc comme un DDDD et peut-être. Non, c'est trop clair encore. Voilà, je crois que c'est parfait avec le menu de gauche. Je vous en prie, abonnez-vous. C'est très intéressant et c'est très important pour moi. C'est votre façon, c'est votre modeste façon de me dire merci pour tous ces contenus si précieux. Voilà, on attaque la dernière partie de notre tutoriel. Donc, la partie la plus intéressante. Donc, vous allez apprendre comment créer. Vous allez apprendre comment créer ce bloc qui a tous les détails d'une vidéo quelconque. Donc, allez, allons-y. On va d'abord commencer par cacher le menu. Donc, dans le menu principal, on va cacher le menu de gauche et on va accéder à cette partie qui concerne la section. Ici, on va essayer de créer sous forme de section, disons vidéo. Là, on crée une section vidéo avec une classe vidéo. Et à l'intérieur de la section, on va créer ce qu'on appelle un élément de vidéo. Donc ici, on peut utiliser peut-être la balise article et on lui donne une classe de vidéo. Ici, dans cette balise article, nous aurons déjà l'icône même, donc l'image ici qui s'affiche lorsque vous êtes sur la page. Généralement, ça s'appelle couverture de la vidéo. Voilà, ici, on va créer alors un lien qui portera une image qui concerne n'importe chaque vidéo quoi. Donc ici on met ici on entre dedans et on dit image et chaque image aura une couverture vidéo. Voilà, ici ce sera l'image de couverture de la vidéo. À la suite, on aura une balise div qui a la section du bas de vidéo de la vidéo. Ici on met la section de bas de vidéo. Voilà, ici à l'intérieur on aura une image qui est toujours dans un élément A. Cette image aura icône de la chaîne et après ça on aura maintenant les détails descriptifs textuels de la vidéo quoi. Donc on peut appeler ça détail vidéo également.
Et c'est dans ce détail-ci qu'on aura une balise A qui constitue le titre de la vidéo. Titre de la vidéo. Avec une classe, bien sûr. Titre de vidéo. On va juste faire une réplication. On appelle cette fois-ci nom de chaîne. Nom de la chaîne. Et finalement, une petite liste de métadonnées de la vidéo, quoi, comme par exemple les likes et peut-être depuis quand ça a été publié. Donc div métadonnées. Ici on aura quelque chose comme un span qui a peut-être une classe pour les likes et une autre span qui a une classe pour les date creation, création. Ok, ici vous pouvez bien voir 147 kilo views. Donc je vais juste répliquer l'autre là. 147 kilo of vues, ça c'est les vues. Et à la suite on a 3 weeks ago. Mais avant ça, on a d'abord un point. Donc, il faut qu'on essaie de récupérer ce point-ci. On va essayer d'inspecter l'élément pour voir comment récupérer ce point. Comment je peux faire pour récupérer ça? Voilà, vous activez cet outil qui vous permet de sélectionner ici pour l'accéder. Voilà, voici le point en question. Donc, on revient là. On peut mettre ce point là juste quelque part ici, et ici on met 3 weeks ago. Là je crois que on a presque tout le contenu qu'il faut pour avoir un bloc de vidéo, le bloc qui constitue une vidéo. Donc pour commencer, on va d'abord pré-remplir les liens des images. C'était une /.it/. Ici c'est 253 fois 142 pixels. Et là on met gravity est égal à 101. Bon, si nous on copie la même chose ici, la seule différence c'est que c'est sur 36 pixels carrés. Donc si on rafraîchit là, super. Vous voyez ici ça a déjà pris la forme parce que on a utilisé la même classe. Donc le nom de la classe, des deux classes sont pareils. C'est pour ça que vous voyez que ici on a déjà un cercle. Super, on a presque tout ce qu'il faut. On a presque tout ce qu'il faut. Il nous faut maintenant voir comment styliser notre élément-ci et ajouter par exemple le temps d'une vidéo. Par exemple, vous voyez 21 minutes 40 secondes. Donc, comment ajouter cela? Nous pouvons venir ici au niveau de notre vidéo, de la section où il y a la vidéo. Ouais, ici, on va ajouter un data attribute qu'on appelle ça duration. Mais ça dépend de vous. Vous pouvez peut-être avoir utiliser notre moyen 21 40 secondes. Voilà, ça c'est la durée. Sauf que si vous venez là, rien ne va s'afficher. Il faut maintenant utiliser le CSS pour pouvoir afficher cela. Donc pour commencer, vous voyez que nous sommes dans la classe. Il faut accéder à la classe vidéo. Et on met peut-être after ou before. Bon, before, le pseudo classe
before, on dit content. On veut donner le contenu sur attribut. Si vous ne comprenez pas, si vous êtes nouveau et vous ne comprenez pas, bon, si attribut est nouveau pour vous, vous pouvez aller dans la description et suivre les liens pour mieux apprendre de quoi il s'agit. Data, duration. Et là, si on revient, vous pouvez bien voir que ça s'affiche déjà. Super. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de lui donner une position parce qu'il faut le positionner absolu. Et lui donner également un background pour que ce soit noir, comme vous voyez là, RGBA, peut-être 0 pour noir. C'est juste une couleur noire, mais un peu avec une transparence 0,85 par exemple. Et là, on lui donne une couleur blanche et quelque chose. Vous voyez là où ça se retrouve. Super. Cette fois-ci, il nous faut juste essayer de donner une position à partir du bas. On lui donne peut-être un certain 0,7 REM. Qu'est-ce qu'on a? Oups, ça part loin ici en bas. Parce que je crois que déjà, il faut bien le centrer. Il faut bien le recaser dans le bloc C. Là, comme on l'a mis absolu, il faut aller dans le parent et puis bien spécifier qu'on veut que ça reste dans le cadre C. Pour cela, on va aller ici et son parent, c'est lequel? Son parent, c'est juste vidéo, oui. Donc, on peut avoir juste quelque chose comme ça. On lui donne position relative. Voilà. Et vous voyez bien, c'est maintenant relatif par rapport à ce bloc. Et tout ce qu'il faut, c'est lui donner également une position à partir de la droite de peut-être 0,7 REM aussi. Voilà, c'est positionné loin ici. Oui, c'est loin ici parce que notre bloc-ci, vidéo list, occupe pour l'instant toute la session. Donc, cette partie-ci, la section-ci. Donc, on peut déjà commencer par lui donner un display. Voilà, on va venir ici et changer le display pour essayer d'optimiser la façon dont les différents trucs vont s'afficher. On va utiliser le grid ici cette fois-ci. Display grid. Sauf que j'ai mal fait quelque chose. Voilà, ça m'étonnait bien. C'est les accolades, pas les crochets. Donc, on lui donne un display grid. Et on lui donne maintenant grid template colonne repeat. Là, on va mettre auto fill et on lui donne un min max de 253 pixels et une fraction pour dire. Donc, ça peut aller même jusqu'à utiliser toute la longueur. Donc, ça dépend de la taille de l'écran. Mais le minimum, c'est 253 pixels. Donc, autofill maintenant veut dire que ça essaie d'occuper au maximum possible selon la disponibilité de l'espace ici en largeur. Donc, si vous regardez bien, on peut utiliser. Donc, c'est déjà bon. Et là, si on peut mettre un gap. Non, on met un gap. Même 2 ERM et 1 ERM en hauteur, donc haut, bas, et donc ça, c'est les extrémités haut et bas et gauche, droite. Là, notre vidéo, tout ce qui manque, c'est de pouvoir bien utiliser ici. Vous voyez que cette fois-ci, c'est presque déjà bon. Je peux quand même toujours utiliser, me rassurer que le display soit toujours flex en mettant ceci. Et je rentre bien parce que si vous regardez, quelque chose s'est passé là, c'est pas ce qu'on veut. Je vais rentrer toujours quand même en disant flex flex direction, je dis colon
pour que ça rentre bien là. Voilà, je viens de forcer bien évidemment pour que la position, le flex soit toujours dans ce sens. Voilà, on vient de le repositionner normalement. Il faut cette fois-ci travailler sur la partie du bas ici et déjà prendre ce temps pour mettre mieux en haut. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de toucher déjà à partir du bas, à partir du bord du bas. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut peut-être aller à 4 ELM. Ce n'est pas encore suffisant. Si on met à 5, je crois que... Voilà, 5, c'est pratiquement bon. Il faut donc essayer de donner le thumbnail à 100% pour se rassurer qu'on est en train de toucher toute l'image. De toucher la longueur et la largeur maximale de l'image. Voilà. Pour ça, je vais lui donner un 8 de 100%, un height de 100%. Et je lui donne quoi? Background. Voilà. Un background pour que, au cas, le temps que c'est en train de charger, nous avons quelque chose qui s'affiche déjà. Oui. Et ça devrait être la même chose pour tous les icônes de la chaîne. Je ne sais pas où il y avait ça. Icône de la chaîne. Il faut lui donner un background de AAA. Voilà. Lorsque c'est en train de charger, on a quelque chose qui va s'afficher. Il y a un petit souci. Je ne sais pas si je suis au bon endroit. Mais cette vidéo de couverture à 100% et ce background aussi. Ah, ok. Il faut lui donner un min. Un min width et height. Pour que ce soit bien. Pour que ça ait toujours au moins ce minimum là. 53 pixels et un max. Et un min. Je veux dire de 142 pixels. Voilà, si vous retournez là et que vous essayez de recharger la page, vous voyez bien l'espace est bien là et super. Là, il nous faut cette fois-ci travailler juste sur la partie ici. Et pour ça, je vais essayer de vérifier déjà là où il y a l'icône, tout en fait la partie du bas. Je ne sais pas comment j'ai appelé ça, mais ça doit être section bas du vidéo. Donc il faut lui donner un display flex pour que tout soit déjà en flex. C'est de ça qu'il s'agit. Et là on pousse les deux ici un peu. Non, on pourra même déjà sélectionner cette image, cette icône de la chaîne, et il n'y a pas d'espace, donc je vais utiliser plutôt celui-ci pour lui mettre flex direction display flex. Donc on utilise trop flex ici, mais c'est pour rendre la tâche plus facile et pouvoir contrôler mieux comment nous gérons le layout. Vous voyez bien, notre titre est en haut, le nom est là et les deux détails ici sont là. Donc on a presque ce qu'il nous faut. Ce qu'il faut faire cette fois-ci, c'est d'aller ici et de pouvoir cibler chaque élément et lui donner un style. Donc on peut déjà commencer par donner un margin left à ceci. Imagine left à ceci pour pouvoir lui donner peut-être 0,8 ELM pour que ce soit espacé. Voilà, comme vous voyez, pour laisser du vide là. Donc un, c'est bon. Et le reste, c'est de donner un bon style au texte. Ici, on va styliser notre titre.
font size de peut-être 1,1 EEM. Text decoration, la décoration non, comme c'est un lien, il faut déjà retirer ça. Et la couleur, je crois que quelque chose comme 666 est bon, ou 555. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Il faut déjà enlever le background vert ici parce que là ça nous gêne déjà, ou on laisse pour l'instant. Oui, je crois que 333 c'est bon. Là on a pratiquement ce qu'il faut au niveau des titres de la vidéo. Ici c'est plus coloré et c'est légèrement plus petit, donc je crois que notre fond, notre police est trop grand. Ça devrait être quelque chose comme 0,9, et la couleur c'est pratiquement noir. Et là voilà, on doit avoir quelque chose. Par exemple, si on prend le même titre, on a quoi? Ah, c'est en train de charger, soyez patient. Ouais, c'est ça le titre en question. Si on prend le même titre, on a quelque chose comme ceci. Ah, le titre est bien long, hein? Vous voyez? Et là, ça joue encore sur notre élément-ci. Je crois qu'il faut lui donner plutôt cette dimension en pourcentage pour que ce soit toujours relatif par rapport à la distance. Donc, je donne peut-être 10% à partir du bas. Voilà. Pourquoi pas 50% peut-être. Parce que tel que je vois 10% de l'eau en bas. Voilà, 50% est trop haut. Si on met là à 40%, je crois que ce serait bon. Voilà, c'est super. Là, on voit bien comment le titre est long. On peut supprimer d'autres parties juste pour rendre la chose beau. Donc, rien d'étrange. Super. Et si on revient là, je crois qu'on a quelque chose d'intéressant. Voilà, notre bloc du bas, il faut lui donner une sorte de padding, d'espace au margin. Donc je vais essayer de chercher où il y a ça. Session de bas de la vidéo, on lui donne un margin top de peut-être 0,8 EEM, et là c'est bon, ou 0,5. Je crois que 0,8 est trop beaucoup, 0,6 devrait être l'idéal. Voilà, le nom de la chaîne doit être également modifié. Le nom de la chaîne, je vais déjà commencer par retirer ce background parce que je crois que le background nous joue aussi beaucoup sur notre design. Voilà, vous voyez. Et ce background devrait avoir en réalité un background de quelque chose qu'il faut. Vous voyez que ça, c'est pas tout blanc, c'est une sorte de gris beaucoup cassé. Je ne sais pas comment on va faire pour pouvoir l'obtenir, mais on va essayer. Voilà, je crois que c'est cette couleur ici. Donc c'est F9. Donc si on revient là, on change plutôt notre couleur par F9. Je crois qu'on devrait avoir quelque chose de spectaculaire. Voilà, c'est impeccable. Donc on prend vite le nom de la chaîne et on stylise en retirant vite la décoration par défaut. Et text decoration. Ah là là, décoration de nom, color. On peut utiliser peut-être DDD. Et là, je crois qu'on aura quelque chose qui n'est pas DDD. Bon,
pourquoi pas utiliser notre truc pour essayer de localiser une bonne couleur qui va aller avec. Voilà, allez, je crois que c'est bon. Jusque là, il faut encore plus foncer. Et puis on change la police font size de 0,8 ERN, et le font width me semble aussi beaucoup léger, je ne comprends pas, mais bon, je vais mettre là à 300. Voilà, si on regarde, la taille est trop petite, la taille est trop petite, donc je peux augmenter la taille à 9. Oui, et la couleur m'a l'impression d'être trop clair. C'est pas bien foncé. Oui, quelque chose comme ceci doit être bien. Voilà. Le nom de la chaîne est là. Et il faut également diminuer la taille de la police de ceci et mettre ça avec la même couleur que l'autre. Voilà. Ce qu'il faut faire, on vient ici. Et les métadonnées ici. On lui donne quoi, et je crois que ça devrait nous donner l'effet. Voilà, je crois que c'est le design qu'on cherche. Et là, il faut créer un peu de vide ici à l'intérieur. Ouais. Pour notre menu ici, on va créer un peu de padding. Menu droit, on crée un peu de padding de 1 ERN, et je crois que c'est ce qu'il faut. Super. Notre design est parfait. Notre design est impeccable. Voilà. Je vais légèrement. Tout ce qu'il faut pratiquement faire ici, c'est presque la même chose, parce que, à part le text decoration qui ne s'applique pas, mais on peut bien le mettre là. Et on jumelle donc les deux sélecteurs ici pour les donner ce même style. Vous voyez bien que ça ne change rien. Et là, on peut pointer sur presque tout. Donc, la couleur, si j'ai l'impression qu'elle n'est pas trop noire, et ici, il faudrait que ce soit purement noir. Donc, ça nous donne le design qu'il faut. Là, la seule chose, c'est de répéter la même chose plusieurs fois. Donc, c'est de répéter cet élément article plusieurs fois, et on a notre design. Qu'est-ce que ça veut dire? Et tout ce que j'ai à faire, c'est de pouvoir faire la même chose comme ça. Allez, je vois un peu à quoi ça ressemble. Oui, notre design est là. Notre design est là. Vous voyez? On vient de cloner. Là, on vient de cloner YouTube. La page d'accueil, parce que peut-être ces images ne sont pas assez agréables. Voilà, vous voyez, on peut peut-être changer ces icônes, changer la couleur, c'est parce que c'est dans des liens, et la seule chose qu'il faut faire, c'est de rentrer là et de vérifier les icônes du haut. Les icônes du haut, je crois que il faut le faire en disant texte colon et black presque 9 pour que ce soit pratiquement noir. Voilà, super. Vous voyez, les icônes sont là. Bon, pas jusqu'à noir. Et peut-être un peu comme ceci. Et là, on a quelque chose de
spectacle très intéressant. Oui, super, 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 super. Ceci, ça, c'est le clone du HTML et du CSS. Donc, je m'en vais comme ça, publier le contenu dans ma page Git et que vous pouvez facilement aller là-bas pour télécharger. Donc, restez connectés. On va créer juste un nouveau projet et on va appeler ça YouTube Design Clone. Super. On crée ça. C'est un public. YouTube. HTML. Et CSS. Bon. Bon. Ok. C'est là. Et voici le lien. Allez ici et récupérez votre code. Le lien est dans la description. Voilà, voilà, voilà les gars. Voici YouTube. On vient de faire un travail impeccable. Vous voyez, tout est là. On peut utiliser. Le truc est assez identique à YouTube. La seule chose qui manque, c'est les icônes. D'utiliser ces vraies images, mais le design là, vous avez appris tellement. Donc, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas et partagez, likez.